Peggy 16. Salut les amis, c'est Monsieur Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Destiny Taken King. Et la suite de nos quêtes, on va pas perdre de temps. Hein, on va y aller. On doit retourner chez Rasputin là. Hein. Rien à voir avec la musique. Disco. Putain, je viens de me la mettre dans la tête en plus maintenant, quel con. On doit aller chercher un truc furtif, je crois. Hein. Une armure furtive, je crois. Pour qu'on aille, pour qu'on passe à travers la rupture avec les. Vous bafouez un monde que voilà. Vous ne comprenez même pas. Elle va nous le dire. Ne vous souciez pas d'elle, gardienne. Elle l'a toujours mauvaise à cause de son vaisseau. Il nous faut de l'équipement d'invisibilité pour contourner les corrompus. Et le bunker de l'esprit tutélaire a les codes qu'il vous faut. Très bien. On va aller chercher ça. Hein. Je sens mal. Hein. Je le sens mal, je vous le dis pas. Enfin, je vous le cache pas plutôt, mais j'ai une mauvaise impression à chaque fois avec les missions là, avec les missions de Cade. Est-ce qu'on est sûr bonjour. Que Rasputin a toujours le là. Je le lui ai déjà alors, Rasputin, c'est là-bas. J'ai utilisé le dernier exemplaire pour faire le moteur furtif que vous avez détruit. Bon, il commençait à se faire vieux de toute façon. Non mais il est sérieux quoi, il nous envoie au casse-pipe et ça va être de notre faute si le vaisseau a explosé quoi. C'est son moteur qui a pas marché. Bonjour. Non mais j'en ai rien à foutre de vous. Allez, laisse-moi passer s'il te plaît, merci. J'ai du mal à contourner le pare-feu de Rasputin. La fréquence que vous avez m'a bien permis d'y accéder la dernière fois. Il va protéger son territoire à tout prix. Ouais, mais il va être gentil avec nous, Rasputin. On est là. Oh, ça s'ouvre direct. Encore ces tâches interdites. Oh, les corrompus sont là. Quoi? Eh ouais, mon pote. Nous avons condamné le bâtiment après la situation avec Omnigul. Cade, est-ce que vous voyez bah, tu l'as mal fait. Ah oui, effectivement, c'est pas brillant. Bon, si vous en voyez, eh bien, tuez-les. Faut scanner ça, non, non. Bon, c'est parti. On va se taper les corrompus. Bonjour. Comment ont-ils fait pour entrer? C'est encore moi, le monsieur gentil. Le monsieur gentil. Oh, putain, ils sont 32. Oh, je vais être aveugle. Est-ce qu'ils s'en fichent aussi? Non, c'est bon. Oh là 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 là, sérieusement, ils sont combien? Ils se TP. Oh là là. Je fais pas mourir. Toi t'es chiant. Meurs. Oh, bonjour. Bonjour. Non mais je suis gentil, je vous l'ai déjà dit. Bonjour. Hop là. Et bim. Un contrat de fait. Vas-y, cache-toi, cache-toi, vilain. Oh, il s'est mis une bulle. C'est mignon. Ah, je vais devenir aveugle. Allez, meurs. Meurs. Non mais dédoublez-vous pas, s'il vous plaît. Ah, bonjour. Ah, il se dédouble, c'est impressionnant. Par contre, je...
pas fait gaffe à la grenade. Et on n'avait pas été par ici par contre pour Omnigul. Oh c'est mignon. Vraiment des beaux décors, hein, franchement. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir nous téléporter directement à la fin de la mission, parce que là, la dernière quête m'a rendu... comment dire ? Oh, j'aime pas ça. Oh putain, je croyais que c'était un corrompu. Ah bonjour! Oh mais arrêtez de vous dédoubler! C'est quoi ça? Aïe! Ok d'accord, c'est les petites boules qu'ils envoient. Quand j'ai fait les missions des corrompus sur toutes les planètes, là il y en avait des comme ça. Et ça piquait pas mal. Alors encore un engramme rare. Par contre, il y a beaucoup moins d'engrammes rares qui pop en légendaire. Hein, parce que vous savez que vous avez une possibilité, quand vous avez un engramme, d'avoir la version au-dessus de celle que vous avez. Hein, il y a une petite chance. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. J'ai pas encore eu la chance. Je vais aller voir là quand même. On sait jamais, il y a peut-être un truc, non? Non, il n'y a rien. Alors que sur les anciennes versions des engrammes, j'ai eu assez souvent la version au-dessus. Oh, ça va être le bordel. On peut tirer dessus, oui. Et je me suis coincé. Oh, il a pas aimé la grenade. Elle a l'air de faire beaucoup de dégâts par contre la grenade. Et ce qui est plutôt bien donc, c'est qu'elle fait aussi des dégâts sur la durée. Hein, pas le vendeur de macarons, hein, bien sûr. Rien à voir, comme d'habitude. Oh, mais pourquoi? Ah, s'il pouvait arrêter de bouger aussi quand je vise. Ça serait pas mal. Oh. Oui, oui, je vais passer. Bonjour. 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 Non, je croyais qu'il y en avait un derrière moi. Non, mais arrête de te cacher. Allez, allez. Un petit revolver vert. Ça fait répétition. Ça fait de l'écho, un revolver vert. Moi, je rêve hein, quand même d'une mission où on arrive, on récupère l'objectif de la mission et on se tire. Mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ah, oh, il y en a en bas. Voilà, meurs. Je sais pas ce que j'ai looté. Oh. Le vandal. Pousse la grenade, ça pique.
Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je peux scanner quelque chose. Ah, c'était ça. Allez là. Pour Oryx, Rasputin est une menace. Si on pouvait en gagner le contrôle et réactiver tous les systèmes de l'esprit tutélaire, on pourrait voir tout ce que nous cache la ruche. C'est pour ça qu'ils veulent détruire Rasputin. Oh, c'était le couloir infini. Hein. Oh, mais bien sûr. Meurs. Bonjour. Oh, mais mourrez, s'il vous plaît. Allez. Il y en a encore. Ah, bonjour. Bon, mais allez, c'est bon, quoi. J'ai l'impression que si on tue pas... Je pense que vous pouvez tirer de Rasputin. Ok. Si on tue pas l'original, en fait, il continue de se dédoubler à l'infini, quoi. Ça, c'est du setup, mes enfants. Hein. Putain, 5 écrans. Moi, j'en ai 2, j'aimerais bien avoir un troisième. Mais alors là, 5 écrans, c'est juste magnifique. Ce système de cryptage. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne sur une gardienne. Et comment croyez-vous que les épéistes peuvent devenir invisibles? Avec l'approbation de l'avant-garde, nous pouvons enfin en finir. Retournez sur la Lune. Volez l'âme de Cropta. Ils sont sérieux. Non, je vais pas aller sur la Lune, s'il vous plaît. Envoyez quelqu'un d'autre. Non, je vais pas y aller, moi. Je sais pas, je vais prendre des vacances. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller sur la Lune, s'il vous plaît. Ah là là. Bon, on va retourner sur la Lune, hein, de toute façon, on est obligé. On a gagné des trucs ou pas? Oh, généreux. Un fusil à fusion vert, super. Ça va vite me faire progresser, ça, dis donc. Allez, on va vite fait voir les améliorations que je vais débloquer. À longue portée, ça c'est pas mal. Un petit peu plus de portée, c'est sympathique. Bon bah toi tu meurs. J'aime pas le vert. Toi tu meurs. J'aime pas le vert. Les améliorations de stuff, je ne les fais pas puisque ça coûte des lumens et puis ça sert trop à rien puisqu'on les change assez rapidement. Je le ferai quand ça sera du légendaire par contre. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, magnifique, nous retournons sur la Lune. Ah, niveau 33 en plus. Niveau 33. Ça va être magique. J'espère juste qu'on ne retourne pas là où on s'était arrêté tout à l'heure. Vous avez le cristal, et il faut maintenant le remplir de l'âme de Cropta. La ruche est justement en train de préparer ses obsèques, alors... Ce ne sont pas des obsèques, mais un rituel mortuaire. L'essence de Cropta est préparée pour le prochain monde. Ouais. Donc, pendant les obsèques, Oryx risque d'être sur le qui-vive. Utiliser l'équipement d'invisibilité de Rasputin pour esquiver les corrompus. Trouvez l'âme de Cropta, emparez-vous-en et fichez le camp.
Ok. Il n'y a pas à dire, franchement, Cade, je l'adore. Je l'adore. Je trouve ça génial, par contre, hein, parce que ça n'avait pas été... Lorsque les sirènes de la mort commencent à chanter, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Je crois qu'elle n'en a aucune idée. Ok, Mais ne vous inquiétez pas, je garde l'œil ouvert. J'essaierai de ne pas lui arracher. D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que... Ouais, je disais que... Il l'avait pas fait, ça, justement. Dans le premier opus de Destiny, c'est qu'ils n'avaient pas fait participer, justement, je trouve, assez les protagonistes de l'histoire. Spectre, vous avez la fréquence. On les voyait pour rendre les quêtes, mais c'était tout ce qu'il y avait, quoi. Nous sommes prêts. Alors, pareil, alors, je sais qu'il y a sur celui-là. Comme le fait la mort. On va pas le voir. Vous l'avez vu. Ok. Attendez. Si c'est trop long, je couperai un peu au... Putain, on voit que dalle. Si c'est trop long, je couperai un peu au montage. Mais je sais de sources sûres que sur ce pylône-là que vous voyez ici, là, il y a un spectre. Le problème... C'est qu'on ne voit rien. Ah, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon, on est par là. Voilà, allez. Je suis retombé. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Vous l'avez vu, hein. Non mais sérieusement, on voit que dalle. Pourquoi ça me change de direction? Ok, allez, on part comme ça. Presque. C'est pas lui. Fuck. C'est le poteau de derrière. Bon, écoutez, laissez tomber. Je reviens un autre jour. Je suis en train de perdre du temps et ça vous fait mal aux yeux en plus. Par contre. Ok, donc en fait, il fallait juste aller dans la lumière. Ça faisait mal aux oreilles, ça faisait mal aux yeux. Wow. J'espère que ça va marcher. Activation de l'invisibilité. Je ne vous vois pas. Oh yes. Et vous, vous me voyez? Il est con ce spectre. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais mis les pieds dans ce raid. J'ai vu des vidéos pour voir à quoi ça ressemblait. Ils peuvent toujours détecter votre odeur. On peut remplacer le vaisseau d'Iris, mais pas vous. Entrez dans leur monde.
Le monde du gouffre. Ils font quand même des petites blagues, et ils sont un petit peu rigolos en ce moment. Ok, faut qu'on aille là-bas. Bonjour. Je suis gentil. Vous ne me... Oh là, vous avez vu le cercle rouge là autour d'eux? À mon avis, vaut mieux pas que je mette les pieds dedans. Oh oh! Unique et sépulcral. Vous êtes tous brain, les enfants. Hop. Faites attention, il faut continuer à les éviter. Et... J'espère qu'ils ne peuvent pas voir vous cette chose. Vous trouvez pas ça louche? Ouais, vous trouvez pas ça louche qu'il y a une petite écaille qui se promène toute seule? J'ai eu. Ok, par là. Oh là là, mon dieu, s'il me voit, je suis en miettes au bout de 5 secondes, je pense. Faut que j'aille où? Par là. Oh, wow. Bonjour, je suis Shanti. Toc. C'est le livreur de pizza. Ouais, c'est chelou quand même. C'est chelou. Les sirènes de la mort. D'ailleurs, il y avait une écaille. Elles sont en train de préparer une écaille spulcrale. Prochain monde. Suivez. Ils se promenaient en lévitation, ils ont rien vu. Ça me rappelle. Là, la porte qui s'ouvre sans personne devant. Ils disent rien. Leur chant maléfique retentissant quand Eriana. C'est chelou quand même. Hein. Voilà, bonjour, faut que j'aille dedans. Atteignez le tombeau de Kropta et emparez-vous de ce qu'il reste de son âme. Il y a beaucoup de tombeaux ici. Vous avez vu, je suis devenu rouge en tombant. Quand vous le verrez, vous le saurez. Bah, il est juste en face, à mon avis. C'est là où on le tue en fait, c'est là où il se trouve en fait, dans le raid. Bon, je suis en train de dire ça, hein, mais à mon avis, vous y avez déjà mis les pieds dans ce raid. Je crois que je dois être un des seuls à ne pas avoir fait les raids de Destiny, bien sûr, pendant leur sortie. Du coup, comment... Oh là là, il y en a partout. Bonjour, laissez-moi tranquille. Oh, mais là, même là. Oh, je voudrais monter, s'il vous plaît. Ah, oh, j'ai pas le double saut. Ah, faut absolument pas qu'il me voie. Hein. D'ailleurs, qu'il me voie. Hein. Ah, les murmures, par contre, c'est horrible. Mais elles vont voir, elle, là, non? Bonjour, je suis Shanti. Maintenant, laissez le cristal s'abreuver de l'essence funèbre de Kropta. Ok, je suis la Shanti, moi, je fais rien. Ça fonctionne. Est-ce qu'il nous en faut beaucoup pour nous faire passer par l'ascendant de la ruche? Un échantillon suffit. Mais prenez-en le plus possible. Il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes visibles. Non, je suis... Téléportez-vous. Je suis gentil. Il nous faut la... J'ai rien fait, moi. Je suis gentil. Ils en ont bien assez. Spectre, téléportez-vous. Je n'y arrive pas. Oh, mais quel con, moi. Je suis tombé dans un trou. Quelque chose qui cloche. Nous sommes visibles. Ah, je suis tombé. Téléportez-vous. Fichez le camp. Il nous faut l'âme de Kropta. Ils en ont bien assez. Spectre, je n'y arrive pas. Il y a trop d'interférences. Je n'arrive pas à établir... Comme par hasard, il y a trop d'interférences. Restez en vie. Il faut absolument qu'on... Mais laissez-moi en paix.
Laissez-moi en paix. Bonjour, je sais pas où je dois aller, vraiment pas. Je suis perdu. C'est quoi ça? Je peux scanner. Vas-y, fais-toi plaisir. Le symbole de Crocta. Je n'en connais pas le sens. Pour moi, ça signifie simplement qu'on avance dans la mauvaise direction. Mais, comme toujours, je ne fais que vous suivre. Dis-moi où on doit aller, pauvre con. Ah, je vous jure. Meurs. Sérieusement, je dois aller où? Y a pas un plan où il y a marqué vous êtes ici et puis la sortie c'est par là? Ce serait cool. Là il y a une porte, ça va pas s'ouvrir. Non, s'il vous plaît, soyez gentil. Et ils ont pas l'air de vouloir. Ah bonjour! On n'a pas été voir là-bas. Y'a rien. Oh! Ah, je me fais défoncer. Alors sérieusement, je sais pas où je dois aller. Peut-être sur les côtés, là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bon, c'est pas par là. Oh là là, les amis, c'est le bordel. Allez, laissez-moi tranquille. Et pourtant, je vois qu'un passage, hein, c'est ça. Hein. Troll. Meurs. Gardienne, venez avec moi. Venez avec moi. Et...
Ouais, mais ça veut dire qu'on va où? Bonjour! Avec si peu de temps, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Vous avez réussi à nous sortir de là. Ok. C'est l'une des techniques de Tolland. Je redoute les ténèbres plus que tout. Mais il est hors de question que je perde une autre gardienne. Vous avez emprisonné les derniers murmures de l'âme de Kropta. C'est à vous de jouer désormais. Trouvez Oryx sur le cuirassé et détruisez-le. Ouais, bah alors avec les deux dernières missions que je viens de passer, là franchement, j'ai moyennement envie d'aller tuer Oryx. Hein ? Parce que là, on peut dire que... Entre cet épisode-là et l'épisode précédent, on s'est un petit peu fait manger dessus. Ah oui, j'ai fini un contrat d'ailleurs, faut que je le valide. Allez, donnez-moi un gros cadeau. Wouhou ! Un pistolet vert. Sérieusement. Sérieusement, les amis. Bon, et ben on va retourner sur la tour, je pense. Ou peut-être pas. On va retourner nulle part, parce qu'apparemment, il faut aller directement sur le cuirassé. Ok, aucune prise de tête. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vais garder Oryx pour le prochain. Hein. Ça sera sûrement le dernier, puisqu'on doit aller le tuer. Du coup, mais alors, je sais pas qui c'est qu'on va tuer dans le raid, si on le tue maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Partager, liker, commenter comme d'habitude aussi. Allez faire un petit tour dans la description pour tout ce qui est réseaux sociaux et informations importantes. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Destiny et d'autres jeux. Passez une bonne semaine. Salut, bye bye!